Hello tout le monde, voici Champion MCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Torchman. On se retrouve aujourd'hui pour la saison 3 de Torchman. Et oui, entre les deux saisons, entre la deuxième saison et la troisième saison, il y a eu, comme on pourrait dire, de la nouveauté. Ouais. Vous voyez ceci? Là, c'est rien de nouveau. Mais, vous pouvez voir en ce moment qu'il y a déjà du nouveau. Avec ceci. Et oui. On se rappelle, dans la dernière vidéo, nous avons terminé l'entraînement militaire de base. On se souvient. Vu que nous avons terminé celui-là, j'ai fait un sondage pendant la saison 2. Est-ce que vous voulez avec armée ou sans armée? Et la majorité a été avec armée. Alors, je vais vous écouter en faisant une année de festivité. Là, vous vous demandez pourquoi il n'est pas nouveau. Tout simplement parce que j'ai fait une vidéo complète puis je l'ai effacée. Mais parce que j'ai eu un petit problème technique. Parce que j'ai utilisé la caméra. Mais j'ai enlevé le son. Le micro. Puis en enlevant le micro, j'ai oublié de le remettre. Et oui. Alors, c'est sûr qu'on va faire ceci. Parce que nous sommes dans le temps des fêtes bientôt. C'est sûr que nous allons devoir continuer là-dessus, même après. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être durant les vacances de Noël, je vais peut-être faire des vidéos, en profiter pour peut-être avancer, me reposer, ça c'est sûr. Je vais pas faire que des vidéos. On s'entend, je vais peut-être m'amuser à jouer des jeux, sûrement. Mais je vais rusher ceci. En gros, qu'est-ce que je vais dire? C'est que je vais tourner toutes les parties. Chaque vidéo. Puis à la fin, je vais savoir si. Comme ça, je vais juste me concentrer au montage. Puis après ça, le mettre en ligne. J'aurai juste à faire. On y va. Allez, on y va. On commence la partie. Le roi s'est de nouveau marié. Pour honorer ça, sa reine. Sa fiancée, on va dire. Il vous a ordonné de préparer plusieurs festivals saisonniers. Les préparatifs et l'exécution seront peut-être difficiles. Ce sera une course contre la montre. Ouais. La difficulté, c'est ceci. Ah. La carte est énorme. Difficulté. Difficile. Eh, ça va bien, hein? Je commence dès le départ de la saison 3. Avec du difficile. ouais. Moi qui n'ai pas habitué dans ce type de combat. Ben, ce type de scénario-là. Bon, ça, c'est pas important. Mais je suis pas capable de renommer. Je sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé, mais je suis plus capable de renommer. Par décret royal, je vous ordonne de préparer une année de festivités. Chaque saison sera l'occasion d'un nouveau festival en l'honneur de ma nouvelle fiancée. Ma nouvelle épouse, peu importe. Allez donc commencer les préparatifs. Ne me décevez pas. Pour préparer le festival de printemps, nous devons faire vite, monseigneur. Le festival doit être terminé avant les débuts de l'été. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Monseigneur, je recommande de construire un champ de foire aussi vite que possible. C'est là qu'auront lieu tous les festivals. Et la carte, elle est grande. La première chose que nous devons faire, c'est ériger un beau mât de fête. Mon seigneur. Ça dit, nous sommes un seigneur. Le bûcheron peut nous couper un arbre adapté. Cependant, il devra en couper beaucoup. Pour trouver le bon. Vous voyez, elle est grande, la map. C'est ça qu'il faut construire. Et cela
Le plus vite possible. On va le construire ici. Voilà. Allez. Tunnel. Plus vite. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. Taverne nécessaire de bois. Ici, on a deux choses de bûches, de bûcherons. Ah, on a des poissons, des choses de pêcheurs, on a ça. On a plein de choses. Qui est bien. Là, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais non faire ça. Mais bien faire ceci. Allez, on y va. Faut juste que je trouve un endroit convenable. Bien sûr. Voilà. Nous n'avons pas le choix de faire ça le plus vite possible. Récupérer du bois pour le mât de fête. Wow! Le fête! C'est fête bientôt. Il fait qu'on se dit de Noël. Il faut décorer notre mât de fête en conséquence. Il va nous falloir du tissu, monseigneur. D'accord. Au moins, on a une trêve de moutons. Monseigneur! Il y a un camp de bandits non loin du village. Nous avons besoin de plus de soldats et d'une tour de garde pour sécuriser le village. Je sais qu'il faut des ouvriers, mais je m'en fous pour l'instant. Le principal, c'est ceci. Bon, pour qu'est-ce qui est du bois, c'est fait. Faut vraiment le reste. Une fois que ça va être terminé, que ça va nous pouvoir nous donner, si je me souviens bien, c'est 5 personnes. Je pense. Ouais, c'est ça. 5 personnes. Dont un, on va faire qu'on. On va le remettre là. On va en mettre un soldat. Qui veut dire ça fait 2. On va en repartir une autre construction de ça qui va faire 3. Le quatrième va construire ceci. Puis un cinquième qui va construire peut-être la nourriture. Ou ceci. On va le mettre là, peut-être. Celui qui va aller dans le château, il va s'en aller là. Juste pour faire à la quête. Une fois que ça va être fait, après ça, je le mets dans le château. Puis je vais peut-être mettre un peu plus de pour ici de poissonnerie. Cabane de pêcheur. Poissonnerie. En gros, ça va être ça. Il reste 8 minutes. C'est presque fini. Je vais être correct, au moins. Ok, ici, c'est. J'ai un entrepôt là. Ce qui est bien. Ici, ils ont besoin de 6. Alors. Ils ont besoin de 6, mais pour avoir des 6, il va falloir ceci. Non, je veux pas l'acheter tout de suite quand même. Il va falloir une porcherie. Et ensuite, il va falloir la boucherie. Mais, une autre affaire qui va être importante, d'avoir, c'est bien évidemment une charbonnière. Une fonderie pour avoir l'atelier de l'outilleur et un menuisier. C'est ça? Ouais, menuiserie. Je vais avoir besoin de ça, ça c'est sûr et certain. À 100% que je vais avoir besoin. Bon, ça, je peux juste payer quand que j'aurai. Ah, ben oui, j'ai oublié une affaire. Bon, ils sont pas contents, mais je m'en fous. J'ai besoin d'argent. D'argent. J'en ai besoin. On a notre marchand qui est arrivé.
Le marché. Ça sera pas content parce qu'il paye pas mal, mais je m'en fous! Je suis un marchand. Venez marcher des choses. Vous n'avez plus de bois? Achetez-en! C'est gratuit. De l'eau? Achetez-en! C'est gratuit, là. Mais non, faut payer ceci. En passant de l'eau. Écoute, statistique en eau. Sans de eau, sans nourriture. Parfait, ben non, on s'en fout. J'ai besoin d'argent, on peut se baisser à moitié à un moment donné. Gollum, tu peux ne pas venir ici? Je suis venu ici pour la première fois avec ton Toysman, saison 2. J'ai entendu dire que tu faisais un Toysman, saison 3. Alors pourquoi pas m'en venir? Et pour quelle raison? Parce que ça me tente. On va voir si t'es capable avec la pression du temps. Ah, jusqu'à date, c'est pas pire. Je suis en avance jusqu'à date. Comme tu peux voir. On va voir ça. Là, c'est peut-être facile, mais on va voir ça par la suite. Bonne chance. Ah, Gollum, Gollum. Ah, pierre parfaite d'une série. Entrepôt plein. Hein? Un drapeau est plein! Hein? Ok. Je ne m'y attendais pas. Du coup, nous allons construire une charbonnière. Là. La charbonnière, on va le mettre à côté quand même. Parfait, monseigneur. Le lieu des festivités est prêt. Ce bâtiment sera très important pour les tâches à venir. Vous verrez. Puis nous sommes en avance considérablement. Ça sera sûrement un sapin. Là, nous sommes en avance, c'est le temps de... Oh! Oh, 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 oh! Bien. Un. Deux. Trois. 4-5, qu'est-ce que je veux dire? Oui. 4. Il rentre pas! Ok. Je vais le mettre là, qu'est-ce que vous voulez? Sinon, il tue la place là, non? Ok. Mais il y a la place là. Tiens, mettons-le là. Remençons notre argent. 60$. Oh, c'est bien. On se fait de l'argent parce que... une chance que j'ai fait ça le plus vite possible, parce que sinon, j'aurais manqué un peu d'argent. Bien sûr, il y a le camp des bandits. Pour l'instant, on n'attaque pas. Parce qu'on se prépare pour ensuite attaquer. Une fois attaqué, on va être correct. Ça, c'est sûr. Je pense qu'est-ce qu'on va faire, on va se laisser là pour aujourd'hui. Tant qu'à pas savoir quoi faire ou à plus savoir quoi faire. Bon oui, la charbonnière. Pour que je commence à construire. Ok, j'ai même pas besoin de commencer à construire. Je suis en train de commencer à construire. Bon, après ça, il faudrait que je construise ça. Je vais construire. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit peut-être. Ceci. Parce que là, comment que c'est? Bon, nourriture, eau, tout va bien, bonheur 67%. C'est bien correct. Alors, on va se laisser ici en enregistrant. Bâtiment décoratif, décoration requis 25%. Productivité cabane de pêcheur 15%. Danger de bandit. En gros, c'est ça. Influence temporaire. Ok. On va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo de Toysman saison 3. Le retour de Toysman avec la saison 3. Je suis bien content d'avoir. Recommencer
la série parce que j'en avais envie. Vraiment, j'en avais envie de recommencer cette série que... avec la mise à jour qu'il y a eu. En plus, les festivités ont eu le temps des fêtes. Pourquoi pas le faire? Combien il va y avoir de vidéos? Je ne sais pas, honnêtement. Tout dépendant comment ça va se passer et tout. On verra ça. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur le banner de ma chaîne YouTube. Et vous pouvez toujours aussi aller voir, plutôt aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est le bienvenu. Dont le lien qui est à la même place que bien des choses. Donc sur le banner de ma chaîne YouTube, Facebook est là, Twitter est là, tout est là. Bon, si vous voulez en avoir plus, allez dans les à propos, vous allez avoir plus de liens. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Puis une nouvelle vidéo sur Toy Man saison 3. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.